In the heart of a continent brimming with opportunities, the University Mohammed VI Polytechnic, UM6P, aspires to establish itself as a hub of innovation and excellence. Rooted in the unique wealth and challenges of Africa, our institution embodies a forward-thinking vision of education, dedicated to applied research and innovation, with a steadfast focus on Africa's future. Our journey is one of boundless ambition. To prepare tomorrow's leaders, capable of turning the continent's complex challenges into opportunities for growth and sustainable development. Through a cutting-edge pedagogical approach, we embrace innovation and learning by doing, providing our students with the tools for a bright future. UM6P stands on the pillars of academic excellence, interdisciplinarity, and a commitment to entrepreneurship. Our goal: to act as a catalyst for change by shaping individuals who can actively contribute to the socioeconomic development of Africa and beyond. Our public missions reflect our deep commitment to community well-being. By focusing on key areas such as health, education, and the environment, we aim to deliver concrete and lasting solutions to the most pressing issues. Recognizing the immense value of African diasporas, we strive to create bridges of knowledge and exchange. These communities, with their diverse experiences and skills, play a crucial role in forming a global network of knowledge, thus enriching our vision and amplifying our impact. Join the movement of those building the future. Click, apply, and join the movement. On se retrouve dans quelques minutes avec Boussara Rahmouni, directrice Open Programme de l'Africa Business School. De retour sur ce plateau des Open Days digitaux à l'UM6P au campus de Bengué en direct. Donc on revient sur les discussions autour du pôle business avec Madame Boussara Rahmouni, donc directrice Open Programme de ABS, Africa Business School. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Madame Rahmouni, j'ai une question à vous poser pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Africa Business School en quelques mots? Alors, l'Africa Business School fait partie de un des quatre pôles de l'Université Mohammed VI Polytechnique, le pôle business. C'est une école de commerce qui se caractérise, on peut dire qu'il se démarque par rapport aux autres écoles de commerce, par une offre holistique. Holistique dans le sens où elle est fondée sur un triptyque, research, advisory and learning. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces trois piliers de ce triptyque s'alimentent les uns des autres, dans le sens où on peut avoir des thématiques advisory qui peuvent devenir des sujets de recherche pour être convertis par la suite en études de cas qui sont proches de la réalité des participants. Et donc, cette offre holistique, son but principal, ultime, c'est de préparer les futurs leaders du monde du business pour l'Afrique et pour le reste du monde. C'est une espèce de learning by doing, avec un aspect recherche, en fait, qui souvent n'est pas associé avec le business. Donc, j'imagine que c'est une offre assez dynamique, on va dire. Absolument. C'est ce qui différencie. Ben alors, pour rebondir sur ce que vous venez de nous présenter, donc cette offre holistique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se différencie en fait dans nos programmes, dans nos masters, et quelle est l'offre qui est composée aujourd'hui au sein de cette école? Alors, l'Africa Business School propose trois programmes full-time, le Master in International Management, Agribusiness and Innovation et le Master in Financial Engineering. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'offre de ces programmes, elle propose, on peut dire, quatre grands axes, si je pouvais le résumer de façon transverse. C'est-à-dire, le premier axe, c'est décrypter, aider ses participants à décrypter, le paysage, qu'il soit financier ou de l'agribusiness, voyez, ou des affaires économiques internationales. Tout dépend de la spécialité qui a été choisie par le participant. Deuxième axe, on peut dire que aussi Africa Business School, à travers ses programmes full-time, elle cherche à développer un esprit critique et un esprit d'analyse.
Et troisième axe, c'est aussi déclencher, il faut dire, un engouement pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire entrepreneurial mindset. Ça veut dire entrepreneuriat, que vous lanciez votre propre affaire ou que vous rejoigniez une autre structure qui existe déjà. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous soyez dans cet esprit entrepreneurial, même dans une structure pour apporter de nouvelles idées, de nouvelles, il faut dire, des nouveautés. Et en dernier lieu, je peux dire qu'elle dote ses participants donc d'outils, de compétences qui vont leur permettre de bien se positionner sur le marché de l'emploi et aussi des outils et des compétences qui vont leur permettre, comment dirais-je, d'aider leur continent à dépasser, surmonter toutes les problématiques, qu'elles soient environnementales, socio-économiques, humaines, territoriales, de façon à ce que comment dirais-je, ça match, ça fit avec ce, les, bah, les, il faut dire les besoins, Les enjeux. les challenges du troisième millénaire, Ouais. et aussi pour aller vers ce nouveau paradigme de développement qui nécessite un growth mindset. Autrement dit, on aide nous, c'est-à-dire nos participants, non seulement à aller, c'est-à-dire à travers un change mindset, mais un growth mindset, c'est-à-dire qu'ils changent même, vous savez, La manière de penser, de en fait, on n'est penser. pas limité à du business pur, mais et d'ailleurs, Africa Business School, je pense que l'Afrique est Absolument, dans l'ADN. absolument. Cet esprit critique permet d'adresser Tout à les fait. enjeux et donc de donner un aspect un peu plus noble Absolument. à ce qu'on fait en fait au Oui. quotidien, dépasser ce business pur et dur qu'on Absolument. connaît. C'est-à-dire que nous préparons donc, comme je l'ai dit, des futurs leaders qui vont, c'est-à-dire aussi bien pour l'Afrique que pour le reste du monde, mais qui maîtrisent très très bien, vous savez, les problématiques de leur environnement. Aussi bien national, régional ou continental. Vous pouvez être nigérien, vous pouvez être ghanéen, vous pouvez être marocain. C'est Africa Business School vous prépare effectivement à cette, si vous voulez, à ce management interculturel et vous prépare aussi à voir comment vous pouvez mettre votre pays, votre continent sur le De devant, toute façon, le oui. devant de la scène. On va vers un nouveau monde. Je pense que c'est commun à nous Absolument. tous. Quand je dis nous tous, je parle du Maroc et de l'Afrique. Je pense qu'on se prépare vers des choses assez nouvelles. On a besoin de ces nouvelles générations capables Absolument. d'être critiques, de penser différemment. Et Absolument. Absolument. parfait. Et pouvez-vous nous parler un peu plus sur le corps professoral de l'Africa Business School? Alors, l'Africa Business School, elle a un corps professoral qui est cosmopolite. Vous savez, cosmopolite, ce qui permet effectivement d'initier une belle fertilisation croisée qui donne lieu à des synergies vraiment très productives. Donc, vous voyez. Et donc, comme je l'ai dit, des professeurs qui sont cosmopolites de par leur nationalité, tout que cosmopolite aussi, on peut le dire, entre guillemets, de par leur formation. Et donc, c'est ça, effectivement, ce qui permet de. Ce que je voudrais dire, c'est que ce corps professoral cosmopolite, ce corps professoral qui vient avec des backgrounds différents, avec des perceptions, vous voyez, différentes, vous voyez, c'est ce qui a permis aussi à Africa Business School de lancer des centres d'excellence, des centres d'excellence et des chaires, c'est-à-dire dans plusieurs domaines, à savoir le leadership, la complexité, la durabilité, dans comment dirais-je, la logistique, la finance, la théorie des jeux. Et c'est ce qui permet effectivement aussi, ce qui favorise en quelque sorte de permettre la rencontre des disciplines, ce qui permet aussi le partage de la connaissance, l'adoption de perspectives nouvelles par rapport à des questions qui deviennent de plus en plus complexes. Alors, en fait, j'imagine que ABS, on n'est pas uniquement dans la formation, mais aussi dans l'action. C'est ça qui rend les choses intéressantes, ce Absolument. mélange de. Absolument. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qui fait. Et je reviens toujours à ce triptyque Research, C'est ça. Advisory, Learning, qui permet effectivement de créer cette dynamique qui elle-même est Une dynamique. loupe. Qui est une loupe, effectivement, et en se caractérisant par une humilité épistémique, effectivement, qui permet à tous, professeurs, participants, staff, de continuer à apprendre à apprendre. Ce campus, parce que vous êtes à Rabat, est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, c'est un beau campus. J'aimerais bien avoir une machine à remonter le temps, Ça, voyez, me retrouver dans mes 20 ans et effectivement m'inscrire à Africa Business School. Un mot de la fin, Madame Hamouni? Ben, franchissez la première étape et venez nous rendre visite sur le site d'Africa Business School, sur le campus UM6P Rabat. Merci beaucoup, Madame Ramonet, de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements autour de l'Africa Business School, en espérant vous retrouver encore une fois sur ce plateau.
Merci à vous et à Wesh Mubaraka.